Le président des États-Unis, Barack Obama, a nommé le juge de la Cour d'appel, Merrick Garland, au plus haut tribunal du pays, la Cour suprême. Âgé de 63 ans, Merrick Garland est présentement juge en chef de la Cour d'appel des États-Unis dans le district de Columbia. Il a été choisi pour remplacer le juge Antonin Scalia, qui est mort le 13 février après plusieurs années de service au sein du plus haut tribunal du pays. Les juges de la Cour suprême sont nommés à vie et les jugements de ce tribunal peuvent influencer le développement d'enjeux sociaux importants aux États-Unis. La mort du juge Scalia a mis fin de façon dramatique à la majorité de 5 contre 4 des conservateurs au sein du tribunal. Cette situation donne la chance au président Obama de faire basculer la balance du pouvoir en faveur des libéraux. Le juge Garland est le troisième magistrat nommé par le président Obama. Il avait déjà nommé deux femmes, Sonia Sotomayor et Elena Kagan.